Salut à tous et à toutes, ici Zorgor pour cette troisième partie de mon Walkthrough sur Half-Life Blue Shift. Alors dans les épisodes précédents, dans le premier, nous sommes arrivés à Black Mesa. Nous incarnons Barney, Calhoun, un agent de sécurité qui a été recruté par Black Mesa. Et qui arrivait comme une journée de boulot ordinaire, comme Gordon, d'ailleurs on l'a vu, comme Gordon Freeman. Et là, bien sûr, tranquillement, je vais récupérer mon blindage et tout, mon casque, mon gilet, mon arme. Et puis je vais aider quelques scientifiques un peu rageux à activer un ascenseur. Et là, tout pète. Gordon Freeman fait tout péter. Là, craque, l'ascenseur explose. J'en suis le seul survivant. Après, des aliens, Hand-Eyes, Vortigote, traverser une zone de maintenance. Ensuite, nous sommes arrivés dans cette zone actuelle où on est. Une zone de canal. Drainage canal, il me semble que ça s'appelle. Et voici la suite. Alors, c'est arrêté ici. Alors, il me semble que je me rappelle dans cette zone-là. Alors. Wow. Non mais. Putain, ce faux piège. Chaud, 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 les cacahuètes. Oula. Ah oui. Bon, avant de me faire, je me fais une petite save. Voilà. Juste pour ça. Ça s'ouvrira pas celle-là. Voilà. N'hésitez pas à prendre les trousses de soins. Comme je viens de faire. Alors, je vais par là. Wow. Un collège agent de sécurité. Oh, chaud, il s'est fait défoncer. Wow, les zombies, bien sûr. Dans Half-Life, ça changera pas. C'est Half-Life. Wow, voilà. Non, voilà encore un autre. On va recharger du coup. On va casser cette caisse. La musique qui met dans l'ambiance, ça c'est pas mal. Voilà, on va recharger un coup quand même encore. On va un peu garder le fusil à pompe. Quand même. Casser les caisses. C'est une musique d'ambiance un peu bizarre, mais. C'est la musique action de Blue Shift. Une des musiques action. Burning excess water from canal flooding. Ouais. Je suis pas très bon en anglais, mais bon. Un Blue Squid qui a voulu me prendre par de surprise. Ah. Une sans canal autre. Wow. Encore des vortigotes qui ont voulu me... Voilà.
Vertigo qui ont voulu m'avoir. Le squid aussi. Bullskin encore qui se cache. Je m'en suis douté. Je m'en suis douté, Bullskin et puis Vortigoth. Je savais bien qu'ils étaient de mèche, mais quand même. On va encore casser les caisses là. Malgré qu'il n'y a pas grand chose, mais juste une trousse de soins. Mais... Ah, si, une barre de munitions. Au niveau prochain, enfin, c'est pas un niveau prochain, mais c'est toujours le même. On va se faire aussi les caisses avant d'avancer et une petite save au cas où que je me fail, hein. Comme d'habitude, hein. Comme dans Half-Life. Ah, chargement. Ah cool. Lift control. Ah oui. Ouais, il reste un Vortigoth. Ah oui, quand j'essayais là que ça marchait pas. Du coup. Voilà. Dès qu'il me tire dessus. On va voir s'il y a quelque chose. Non, non. J'aurais cru. Je crois qu'il me semble. Ah oui, on peut pas monter là-haut. Mais il faut utiliser ça. Et ça va péter. Voilà. Comme ça on peut passer. Voilà. Et il balance. Il me... Ils ont balancé mes potes, agents de sécurité, ces enfoirés. Ah oui, aussi, par petite info, j'ai oublié par quelle équipe a été créée par Flight Blue Chief. Par Gearbox Software. Ils sont développés en 2001. Donc indiquant qu'on a incarné Barney Calhoun, le garde qui a souvent aidé Freeman. Donc voilà. Captive Frag. Ne me demandez pas ce que ça veut dire, je sais rien. Je ferai peut-être une petite traduction après si je veux le mettre dans le titre de la vidéo. Petite save. C'est jamais. Les militaires. Éviter de se plier à la. Je suis sûr qu'il y a des choses en fait. Je suis sûr qu'il y a des trucs dans le camion par exemple. C'est de se faire la tourelle. Voilà. Voilà. Ouais, il y a des choses dedans.
vous le disais bien. Waouh. Il me semble que c'est le même qui a créé aussi Opposing Force. D'ailleurs, on a entendu Shepard. C'est le personnage militaire qu'on incarne dans Opposing Force. Je vous en dirai plus quand je jouerai Opposing Force, justement. C'est le prochain World Show. Bon bah lui, il s'est fait bouffer. Avec son collègue scientifique. Oh! Choper le Colt. C'est bon ça. Ouais, je pense qu'il faut les perdre ici, mais je vais regarder un petit coup ce qu'il y a là-bas. Je pense que je vais me faire avoir par les militaires. Voilà. Voilà. Ils ont fermé la porte. Voilà, ils ont bloqué. C'est pas ici. On va encore partir dans les tunnels, les égouts. On y aime bien. Voilà. Danger, edge temperature, steam pipe. Ça, je sais. C'est la haute température dans les tuyaux. Non, ça se casse pas ça. Alors. Je crois que ça sent en plus ces deux, je me rappelle plus. Waouh! Calme! Toujours les crabes dans un coin. Ça l'a pas tué le fait de vapeur, super. Et moi ça me brûle. J'ai loupé une manette. J'ai rien loupé. Voilà. Ok, de l'eau. On va devoir aller dedans. Bull Squid, j'ai eu du mal à la voir. Hein, Dieu. Oula, 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 là tu. Ils sont coriaces ces aliens. Je vais être un peu moins résistant en tant que agent de sécurité. Alors. Ouais. Ouais, ça bouge un peu, c'est pas terrible. Alors. Qu'est-ce qu'on va voir par là? Il crabe. Wow. Fait tout péter. C'était pas obligé, hein. C'est des bonus dans le script. Elevator. Voyons voir où c'est que ça nous mène. Ah, ça monte. Crabe. Wow.
caisse. Je vais sauvegarder ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker. Et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne et me suivre sur Twitter et Facebook. Je vous dis à la prochaine et surtout, portez-vous bien.